ne pouvez pas entrer dans votre repos en étant paresseux. Vous ne méritez pas le repos. Qu'est-ce que vous avez fait pour entrer dans le repos? Les chrétiens aujourd'hui, ils aiment beaucoup la facilité. Ils aiment beaucoup le vite fait. Ils aiment beaucoup de prêt-à-porter. Dès qu'il se réveille comme ça, tout est là pour lui. C'est comme ça que certains touchent même au fétiche. Parce qu'ils aiment que les choses se passent vite. Très vite. Non, mon frère. Surtout la génération aujourd'hui, la génération des jeunes. Les jeunes gens, écoutez-moi bien, donnez-moi un bon amen. Les jeunes gens aujourd'hui sont très pressés. Ils veulent à tout prix devenir des bishops, à tout prix devenir des boss, à tout prix devenir des mopao, à tout prix ils veulent devenir des tops. Et ils ne veulent pas se sacrifier. Nous, nous nous sommes sacrifiés. Et vous allez les voir, ils veulent même se mesurer à nous. Hé, hey, toi, tu veux te mesurer à quelqu'un qui s'est déjà sacrifié? Quand quelqu'un se sacrifie, il devient bulldozer. Toi qui ne fais pas de sacrifices, on te fera seulement ça. Tu tombes. Et Dieu aime que quelqu'un se sacrifie. D'ailleurs, même en français, on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand quelqu'un obtient quelque chose, aussi facilement il ne connaîtra pas la valeur de la chose. Quand quelqu'un est arrivé aussi facilement, il ne va pas apprécier la bonté de la chose. Quand un guerrier s'est battu, il s'est battu comme un chasseur. Quand il est allé chercher un gibier, il s'est battu pour avoir le gibier. Et quand il rentre le soir, il est dans un mupando et son épouse est en train d'arranger le gibier qu'il a amené. Et quand on le lui amène pour manger, regardez comment il va le manger. Il va le manger comme un couronnement de son combat. Il va le manger avec cette joie-là parce qu'il s'est dit, Dieu m'a donné ça, je le mérite. Vous savez pourquoi les gens volent? Alléluia. Pourquoi les gens volent? Parce qu'ils aiment la facilité. Même à l'église, pourquoi nous volons? Parce que nous aimons la facilité. Tu es à côté de quelqu'un qui a fait des efforts pour acheter son téléphone. Toi, tu es là, tu débarques seulement le matin. Le seul effort que tu as fait, c'est de venir à l'église. Et tu veux avoir aussi ce téléphone-là. D'ailleurs, tu vas aller vendre ça moins cher. Parce que tu ne connais même pas la valeur du téléphone. Tu n'as jamais été dans les grands magasins pour vérifier le prix de ce téléphone-là. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est comme ça que moi je dis aux gens, bâtissez les choses dès les fondements, travaillez d'arrache-pied et prenez du temps parce que le sacre se trouve dans le sacrifice. Vous n'avez pas de sacre si vous ne savez pas vous sacrifier. Vous voulez devenir un homme de Dieu, c'est bien, nous en avons besoin dans l'église. Ou une femme de Dieu forte, puissante, nous en avons besoin dans l'église. Mais quand il y a veillée, vous ne venez pas. Quand il y a retraite, on ne vous voit pas. Vous avez toujours des excuses quand il y a prière. Oh non, ces jours-ci, l'estomac. Je ne sais pas gêner parce que ces jours-ci, le docteur m'a dit de beaucoup manger. Frère, il faut faire des sacrifices dans la vie. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. Je te dis, même prêcher, c'est un sacrifice. Est-ce que vous savez que nous faisons parfois des nuits blanches pour arriver à sortir un seul message? Est-ce que vous savez qu'un message que nous prêchons un jour, nous le préparons même pendant 6 mois? Mais toi, tu vas aller seulement sur Internet, tu prends un message de quelqu'un, tu changes seulement des thèmes. Mais quand tu arrives ici, tu veux que tu obtiennes aussi les sacres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut te sacrifier. Il faut te sacrifier, il faut travailler. Il faut sortir de l'argent pour acheter des livres, pour lire. Nous, aujourd'hui, les yeux sont partis à cause de la lecture. Nous lisons, nous avons des livres, des tonnes et des tonnes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Maman,
Tu es une femme mariée, mais tu ne veux pas faire des sacrifices pour arriver à plaire à ton mari. Mais tu veux être sacré. Comment tu seras sacré? Le sacre se trouve dans le sacrifice. Si Ruth a obtenu Boaz, qui a été une récompense pour elle, et Naomi l'a fait entrer dans son repos, c'est parce que cette femme s'est sacrifiée. Voulez-vous que je vous montre le sacrifice de Ruth? 1. Il a quitté Moab pour suivre une vieille femme sans espérance. Quel sacrifice? 2. Cette femme n'avait ni magasin, ni maison. C'est Ruth qui a pris cette femme-là en charge. Elle a pris Naomi en charge, sa nourriture, son logement, son habillement. Qui peut faire ça? Vous là. Tu as perdu ton mari. Tu peux continuer encore à prendre soin de ta belle-mère? Mais elle a continué à servir cette femme-là. Personne ne lui avait déjà prophétisé. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous pensez que Ruth savait qu'il y avait Boaz. Elle ne savait pas. Elle ne connaissait pas Boaz. Elle le faisait naturellement, sans attendre quelque chose de Naomi. Vous, aujourd'hui, pour faire quelque chose, vous voulez savoir qu'est-ce que je gagnerai dans ça. Ne faites rien sans savoir ce que vous gagnerez dans ça. Je veux vous dire aujourd'hui un grand secret pour que vous puissiez aller très loin dans votre vie. Apprenez à faire quelque chose par moment sans savoir que vous y gagnerez quelque chose, mais vous le faites parce que c'est un bien que vous faites à quelqu'un ou à une communauté. Ne faites pas seulement parce que vous allez gagner. Faites aussi parce que c'est un bien que vous faites. Et Dieu regarde le bien que vous faites et Dieu va vous récompenser. Aujourd'hui, le monde est détruit. Tout le monde veut savoir je vais gagner quoi dans cette histoire. Même les hommes de Dieu, ils veulent savoir je vais gagner quoi dans cette histoire. On n'est pas toujours obligé de gagner par moment. Par moment, il faut accepter de travailler pour rien. De travailler bénévolement. De travailler sans rien escompter. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, entre parenthèses, entre guillemets, ici, ils sont encore hommes de Dieu, qui sont là, ils ne font que voyager d'une ville à une autre. Ils n'ont pas d'église. Et leur mission, quand ils viennent, ils débarquent dans votre bureau, « Bonjour, homme de Dieu, je viens de... » Ils vous citent une ville pour vous impressionner. « Et je suis en mission. » Qui t'a envoyé en mission? Oh non, ben, je ne sais pas s'il y a une disponibilité chez vous pour que je puisse prêcher. J'ai un très bon message que Dieu m'a donné. Si tu as un très bon message, pourquoi tu n'as pas une grande église? Pourquoi tu n'en as pas? Depuis un certain temps, j'ai commencé à refuser tous ces gens-là. Si quelqu'un n'a pas une église, je ne lui donnerai pas la chair. Parce qu'il ne connaît pas la souffrance et le sacrifice qu'on endure pour avoir une église. Lui, c'est un ambassadeur. Il ne connaît pas la souffrance. Il aime les sacres, mais il a peur du sacrifice. Il aime venir, il trouve que quelqu'un d'autre a préparé. Et lui se tient là, il commence à parler de la part de Dieu. Et puis à la fin, quand vous l'écoutez, il n'y a même pas de message. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner les frais de mission. J'ai dit, Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner les frais de mission. Si les hommes de ce monde font ça, et que dire de notre Dieu? Ce sont des aventuriers. C'est comme ça que je vous dis à vous aussi, faites attention à ces gens de serviteurs qui pullulent dans la société, qui vous rencontrent en ville, qui viennent dans vos lieux de négoce, qui vous cherchent à la montagne, à la recherche d'une prophétie que Dieu lui aurait donnée à votre sujet. C'est faux et archi faux. Ne les croyez pas. Ce sont des charlatans. Ce sont des menteurs. Ils cherchent le sacre, mais ils refusent le sacrifice. Ils aiment ce qui est facile. Quelqu'un d'autre t'a façonné.
Quelqu'un d'autre a prié pour toi. Quelqu'un d'autre t'a nourri de la parole de Dieu. Tu es devenu ce que tu es devenu. Et lui viendra avec un message pour te terrifier afin que tu lui donnes ce que tu as gagné. Il cherche le sac sans sacrifice. Il y a une maman de l'église, on lui a vu par un prophète qui lui dit, non, Dieu me dit, dans ta famille là, vous venez de perdre quelqu'un. Qui dans sa famille n'a pas perdu quelqu'un? C'est facile, non? Si tu regardes dans ta famille, quelque part tu as perdu quelqu'un, non? Non, les mois passés, vous avez enterré quelqu'un. Qui n'a pas enterré les mois passés? Dieu me dit, cet esprit-là est entré. Il cherche encore à bouffer quelqu'un. Alors, il faut que tu fasses un sacrifice pour toi et pour ta famille pour que cette histoire sorte. D'ailleurs, je vais aller à la montagne. Pour aller à la montagne, contribuer avec 100 dollars. Je vais aller prier pour vous et je vais enlever toute la malédiction. Il y a des gens qui se font rouler comme ça. N'acceptez pas, mes amis. Ce que vous avez entendu ce matin, ça vous suffit pour que toute la semaine soit bénie. Et la prière que vous recevez aujourd'hui, elle vous suffit pour que toute la semaine vous soyez bénie. Vous n'avez pas besoin d'une autre bénédiction à part de celui qui a fait le sacrifice pour vous. Donnez-moi un bon amen. Il n'y a pas de sacre sans sacrifice. Tu ne seras pas sacré. Même une équipe de football. Aujourd'hui, nous admirons les équipes de football. Vous regardez Barça, vous regardez Real, vous regardez Manchester, vous regardez Paris Saint-Germain. Ce sont des sacrifices. Maintenant, vous venez ici, vous voulez aussi commencer votre équipe. Vous. Katamilom. C'est ce qui fait que les gens corrompent même les arbitres. Vous avez vu l'arbitre qui a sifflé un match là, il a arrêté le match à 85 minutes. 5 minutes avant le temps réglementaire, il arrête le match. À chaque courrier, bien courrier, bien troublé. Il fallait pas que l'équipe win. Kisha bana me reprocher que non, minute est née. Bana ruya mukiwanz. Bana chesa tena kama ni 4 minutes, on a arrêté tena. Oh. C'est à 90 minutes et puis que vous pensez quoi, ma temps additionnel. En arrêtez-t-il. On dit qu'il a été envoûté par un marabout. Comme on a fait à Rikuria. À Rikuri. Parce que les gens ne veulent pas faire des sacrifices, ils aiment la facilité. Aujourd'hui, Bread of Life, écoutez-moi, je vous interdis la facilité. Quand vous voyez que quelque chose est facile, refusez. Je peux aller même plus loin. Quand vous voyez quelqu'un qui vous donne un cadeau gratuitement, refusé, tu me donnes un cadeau à quelle occasion? Non, c'est pour tes unités. C'est le début du commencement de quelque chose de mauvais. Vous, surtout vous les filles là. Je vais citer un nom, ce n'est pas toi. Prisca, je t'envoie les unités. Quand tu ouvres comme ça, tu regardes 10 dollars. Déjà, Roya, qu'on a dit, Dieu a 10 dollars, ma fille. 10, 1 à 0. Est-ce que tu vaux 10 dollars, toi? Question de non, depuis que je t'ai envoyé mes unités, tu ne m'appelles pas. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Il faut vous expliquer, on a tout mis en ligne. Tout comme commission, comment? Que Dieu vous bénisse.